Je suis Pichu Matwasilwa, Menayeto, originaire du Congo central en République démocratique du Congo. Marié, père de 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. Ingénieur de formation en construction, j'ai un master en gestion de projets ici en Belgique. Actuellement, je travaille comme assistant project manager au sein de la société Pitman, qui gère les travaux d'infrastructure de Infrabel. Évidemment, ça n'a pas été facile pour être aujourd'hui assistant project manager chez Pitman parce qu'il a fallu beaucoup trop de sacrifices. Déjà, demandeur d'asile, je m'étais intégré complètement pour pouvoir mettre en valeur mes capacités et surtout mes diplômes. Donc, j'ai dû faire quelques formations complémentaires. Je ne voulais pas évidemment faire des petits travaux qui pouvaient me donner de l'argent à la place. Moi, j'avais préféré me former davantage pour pouvoir valoriser mes capacités que j'ai déjà acquis à partir de l'Afrique, que j'ai complété ici en Belgique. Après un bref stage, j'ai dû quand même être engagé comme assistant project manager avec un CDI à la place. L'intérêt avec l'Africain Lyon World, quand j'avais vu l'annonce, j'étais très très intéressé directement. Par rapport, pas à mon parcours professionnel, mais surtout par rapport à mon côté culturel. Ce qui m'a permis de pouvoir créer une organisation non gouvernementale que j'ai dénommée Pensons Bercail, que j'ai installée à Kinshasa, qui est reconnue officiellement, mais qui travaille ici en Belgique en tant qu'association de fête. J'organise beaucoup d'activités. J'essaye un peu de mettre en valeur le jeu africain avec, comme exemple, le Nzango dans des écoles flamandes, tout ça. J'organise beaucoup d'activités pour pouvoir aider les gens, c'est-à-dire j'organise aussi les récoltes de fonds, comme j'en ai fait pour les victimes de Beni. On a distribué des microscopes, des choses. On a aussi soutenu des activités de l'Orchestre Symphonique de Kinshasa pour la construction de leur école de musique. Et là, récemment, je viens de Kinshasa, d'ailleurs je suis arrivé hier, où je suis allé juste pour un projet d'amélioration du chemin de fer congolais, qui ne répond pas dans les normes internationales. Pour ceux qui veulent soutenir ma candidature, ben, je pense qu'ils en connaissent déjà un tout petit peu, et Pensons Bercail a déjà fait beaucoup, et nous continuons à faire encore beaucoup. Très bientôt, nous allons aussi mettre en valeur deux jeunes congolais de 11 ans, qui sont pas très doués à l'école, mais qui sont très performants en batterie. Et d'ailleurs, il y aura peut-être un concert qui sera lancé où nous mettrons ensemble plusieurs artistes qui vont jouer avec ces enfants pour pouvoir mettre en valeur les acquis de ces petits qui sont quand même génies en batterie. Donc voilà, si vous voulez bien soutenir, ça sera très intéressant pour nous tous. Merci. Venez nombreux assister au Gala de Leaders. Le Gala des Leaders. Les réservations et préventes sont à présent disponibles. Réservez votre place dès maintenant via le site officiel www.africainlionawards.com. www.africainlionawards.com. Le Gala des Leaders. Le Gala des Leaders. Alla de ye ma so sanima ye, alla de ye vine ma sa ye, fama barika ye.